bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit qui me passionne totalement. C'est un des kits qui sont offerts par Stampin'Up, donc page 8 et suivante. Vous avez des kits, même l'agenda, ça fait partie d'un kit, il est superbe. Parce qu'il y a plein de choses qui sont coordonnées. C'est déjà tout prêt, il nous reste à assembler. Donc, voyez-vous ici, le kit Une belle journée. Il y a des kits qui comprennent que le matériel périssable et d'autres qu'on peut avoir à part ou inclus le jeu des temples qui est assorti. Donc, voyez-vous ici, le kit Cher ami qui est tellement beau. Donc, ce sont des kits qui sont déjà pensés par les designers de Stampin' Up. Et pour ma part, vous le savez, je suis mordue de ce qu'ils proposent parce que c'est simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est de toute beauté. Donc, je me concentre aujourd'hui sur le kit de cartes Douce Note. Vous avez tout le matériel inclus dans la boîte pour réaliser ça. Vous avez même un bloc transparent, le jeu des temples en français que vous voyez ici, le Stampin' Spot, donc votre encre qui va pouvoir vous servir après, du washi tape, de la ficelle, vous avez tous les petits ornements, c'est génial. Dans le fond, ils sont tous là, regardez-les, parce que moi, dans la boîte, j'ai utilisé tout ce que j'avais, donc vous ne verrez pas tout au complet. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous achetez le kit, 46$, ça inclut le jeu des temples et tout ce qu'il faut pour réaliser ces 20 cartes-là avec les enveloppes assorties, tout le matériel. Et vous pouvez décider aussi, vous l'avez aimé autant que moi, ce que j'ai fait, j'ai commandé la trousse de réassortiment. Ça veut dire que je vais avoir les produits périssables ici. Je me retrouverai pas avec un autre jeu d'étampe, un autre bloc, un autre Stampin' Spot. Donc, c'est vraiment le matériel périssable. Et vous pouvez choisir aussi de dire, je vais juste commander le kit et je vais y aller avec les étampes que j'ai chez nous. Donc, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Quand on reçoit notre kit, il arrive dans une belle boîte. Ça serait un cadeau à faire, un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire pour les personnes qui sont soit bricoleuses depuis longtemps puis qui aiment ça, ou les personnes qui veulent juste, ils ont besoin de passer du temps. Ça peut être pour les fêtes d'adolescentes, pour une personne qui s'ennuie, les personnes âgées, ça peut être le fun aussi. Alors, bref, les fêtes d'adolescentes, là, vous êtes habitués d'investir pour qu'ils aillent dans des endroits. Bien, vous pouvez investir pour qu'ils restent chez vous, mais en bricolant avec cette trousse-là, c'est génial. Donc, la trousse ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai placé mon jeu d'étampe et mes feuilles, mes de masquage dans le fond, parce que j'aime bien faire la technique de masquage. J'ai envoyé à mes abonnés d'infolettre 3 modèles jusqu'à maintenant faits avec le jeu des tempes ici, mais des modèles qui font pas partie, c'est des modèles exclusifs. Donc, si vous voulez avoir des modèles exclusifs, abonnez-vous à mon infolettre, ça vaut la peine. Alors, j'ai mis ça dans un boîtier Stampin' Up. Ils sont pas dans le catalogue, mais ils sont disponibles, donc c'est une erreur. Allez sur mon site, dans l'onglet boutique, il y a catalogue et il y a toutes les corrections de catalogue, vous allez pouvoir voir ça. Donc, qu'est-ce que ça donne en gros? Ça me donne 20 cartes avec 20 enveloppes coordonnées. Donc, je vais vous les montrer une par une. Ce que j'ai fait quand j'ai reçu mon kit, c'est que moi, je vous le dis, j'aime ça tel quel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai bricolé les modèles tel quel. Puis après ça, je me suis dit, oh, les gens, ils auraient aimé ça voir d'autres modèles. Alors, j'ai recommandé une trousse. La trousse de réassortiment, puis je vais vous montrer ça, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, petite suggestion, quand vous allez recevoir votre kit, vous pouvez déjà en bricoler une telle quelle si vous l'aimez, et l'autre, si c'est juste de la retourner de côté puis de la faire dans un autre sens, c'est déjà ça de différent. Mais vous pouvez faire comme moi, puis les faire telles quelles également. Donc, on a des beaux motifs. Là, je les ai pas toutes dans l'ordre, là, les cartes. Donc, je mets toujours l'enveloppe avec parce que je trouve ça tellement plus beau. Regardez, la palette est intéressante. Et ici, on a même une feuille trouée qu'on vient rajouter. Et regardez les petits accents. Et ce qui est le fun, c'est que le jeu des temps, il est en français.
et vous avez amplement d'étiquettes. Je vais vous montrer ce qui m'est resté après. Regardez ça, c'est beau. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur les cartes qui sont telles quelles. Je vais vous montrer les modèles alternatifs que j'ai à vous proposer ensuite. Alors, regardez ça, c'est beau. Moi, personnellement, j'adore. Ça me donne des idées, dans le fond, pour quand je vais retourner avec dans mon atelier avec le matériel que j'ai déjà. Regardez ça! Wow! Donc ici, c'est vraiment une feuille qui est prédécoupée, qu'on vient coller sur la base de notre choix. Donc, ça prend déjà toute la place de l'écran. Et j'ai trois formats. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai des grandes cartes standards, j'en ai des moyennes et j'en ai des petites. Ici, des petites cartes 3x3, tu sais, pour les cadeaux, des fois, qu'on ne sait pas trop quoi écrire à l'intérieur, ou les cadeaux qui sont très petits. Alors, voyez les beaux modèles ici avec l'effet aquarelle. C'est même pas moi qui l'ai fait, c'est arrivé comme ça. Donc, pour les personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience, c'est l'idéal. Et pour celles qui, comme moi, vous avez de l'expérience, eh bien, voyez-vous, ça a été étampé, ça. Ça va vous permettre de voir des nouveaux modèles, de vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, regardez avec l'enveloppe. Encore là, c'est de toute beauté. Donc là, j'ai rempli. Ça ne rentre plus, là. Voyez-vous, vous avez tout ça, plus le kit d'étampe, le washi tape, le bloc, le tampon encreur. Ce qui m'est resté, ça, je les ai tous pris. Il me reste encore une feuille complète. C'est pas rare qu'ils en mettent plus. Il me reste encore des étiquettes. Il me reste quelques feuillages. Ça, on vient juste les détacher. On les colle. Ça, ben, je l'ai tout pris parce que le bling-bling, on aime ça. Alors, il me reste du washi tape pour faire plusieurs cartes, de la ficelle. Et bien sûr, mon jeu d'étampe. Et là, là, je vais passer ça pour vous montrer les modèles alternatifs que j'ai préparés pour vous. J'espère que ça ne sera pas trop décousu, là. Donc, j'aurais dû garder le modèle de base. C'est pas évident de vous montrer ça, là. Ça, c'est le modèle de base qui est suggéré par Stampin' Up. Alors, ce que j'ai fait, j'ai changé un peu les accessoires que j'ai pris. Je suis venue arrondir ma carte ici. Donc, déjà, c'est plus pareil, hein? Et qu'est-ce que j'ai fait de plus sur plusieurs cartes? J'ai mis des brillants. Et là, j'ai utilisé ma colle de précision pour aller faire des petits motifs, voyez-vous? C'était pas là, ça. Alors, j'ai décidé de le rajouter. Ça fait déjà regarder la différence. Alors, j'ai changé le sketch complet. Je suis venue arrondir avec ma petite enveloppe. Ici, pour l'autre modèle, j'ai décidé de la retourner de côté puis de venir ajouter juste la colle de précision. Voyez-vous, en séchant, ça me fait une belle dimension transparente et non, ce n'est pas collant du tout. Alors, je me suis amusée avec les étampes également. Donc, avec ce modèle de base-là ici, ça m'a donné ces deux modèles-là. C'est-tu pas le fun un peu? Écoutez, j'espère que je suis capable de vous transmettre la passion que j'ai pour les kits de Stampin' Up. Ensuite de ça, je suis partie de ce modèle de base-là ici. Et là, je me suis vraiment amusée. Alors, je l'ai changé de côté et je suis allée découper la base de carte ici qui était déjà imprimée. Alors, je l'ai découpée pour me faire un accent et venir faire une carte complètement différente du modèle de base. Encore là, regardez les brillants que j'ai ajoutés avec ma colle de précision. Ensuite de ça, ça c'est l'autre portion de la carte ici, là, ma base de carte là. Je l'ai coupé en deux, donc ça m'a permis de venir faire un accent. Et là, je l'ai collé avec des dimensionneurs et regardez ce que j'ai fait. Une petite pochette qui s'ouvre. J'aime assez ça. Quand j'ai pensé à ça, j'ai fait « Oh my God, je suis donc fière de moi! » Alors, on part d'un modèle de base. J'ai été pigée dans celle-là. Ce que j'ai fait, j'ai étendu partout tout ce que j'avais. Puis je me suis mis à m'amuser. Alors, c'est ça que ça donne. Êtes-vous prête pour qu'on continue? Alors, ici, le modèle de base. J'ai été faire pas mal le même modèle de base en allant couper le coin de ma carte. Et je peux le récupérer pour aller faire autre chose. C'est pas les mêmes accessoires. Et puis ici, j'ai fait presque le même, mais sur en collant ma base de carte, le devant, sur une base murmure blanc.
pour aller faire ressortir encore plus. J'ai changé quelques petits trucs. J'ai rajouté du feuillage pour la couleur. Donc, d'autres idées ici. Ensuite de ça, j'ai mon modèle de base avec ce carton-là. Je l'ai fait dans l'autre sens et je me suis servi beaucoup de mes étampes. Et ce que j'ai fait ensuite, j'ai été couper ma base de carte pour aller faire une carte plus originale encore. Alors là, j'ai utilisé mon washi tape que j'ai amplement. J'ai été rajouter une retaille que j'avais de limonade à la limette et de marée montante. Et regardez les petits points de brillant tout le tour, tout le long, je veux dire. Alors, permettez-vous de couper le devant de vos cartes. Ça va vous servir ailleurs. Là, je ne trouve pas présentement où je m'en suis servie. On va le voir plus loin. Donc, on continue. Le modèle de base ici. Je m'en suis servie pour faire ce modèle-ci. Alors là, oui, j'ai pigé dans mes retailles de carton, donc limonade à la limette. J'ai été coupée en diagonale. Je trouvais que ça amenait une dynamique, le fun. Elle est très belle comme ça. Je vous dirais qu'au début, je voulais pas la changer. Puis là, je me suis dit, ben là, les gens vont vouloir voir des alternatives. Il faut que je me force un peu. Et puis, ensuite, j'ai été faire celle-ci. Alors, voyez-vous, j'ai simplement été marquée au crayon. J'ai été découpée dans la poussière de rose. J'ai fait la même chose pour mes feuilles. Et je trouve ça vraiment beau. Donc, collé sur des bases de cartes différentes. Ensuite de ça, il y en a beaucoup, hein? Mais c'est pour ça que je vous dis que ça vaut la peine. Ces kits de cartes-là, là, c'est des beaux cadeaux à faire à Noël. Alors, j'en ai comme plusieurs à vous montrer, là. J'ai été... coller ça sur une base de cartes différente que j'ai dans mon kit avec plusieurs accessoires. Et en arrière, pour faire ressortir, j'ai pris du carton limonade à la limite. Donc, c'est sûr que j'ai rajouté quelques retailles que j'ai à la maison. Mais je trouve que ça vaut la peine. Un autre modèle alternatif ici. Et puis, pour l'autre pièce que j'avais en trop, voyez-vous, ici, je l'avais coupée, celle qui est déjà pré-perforée. Eh bien, ici, je l'ai posé sur une base de cartes différente et c'est ça que ça donne. J'achève. Bon, modèle de base ici, la petite carte 3x3. J'y étais quand même assez simple. Parce que sur une 3x3, on n'a pas tant de choix que ça. J'ai été utiliser mon jeu d'étampe. Et avec la couleur, je trouve que c'est un mélange de couleurs astucieux. On a gris souris, on a limonade à la limette, marée montante, et puis le poussière de rose et explosion de baie. C'est vraiment wow! Ça fait partie des couleurs wow de l'année également. Donc, petite idée, si j'ai pas une autre carte alternative, c'est parce que je me suis cassé la tête pour vous proposer autre chose. Alors, regardez ça, modèle de base ici encore. Ce que j'ai fait, je l'ai laissé beaucoup, très très semblable, mais j'ai été étampée davantage. Et puis, j'ai fait plein de petits points avec mes brillants. OK? Ensuite de ça, ça m'en fait, vous devriez voir la pile que j'ai. J'ai pris mon enveloppe ici. J'en avais une, ben, je voulais en prendre une pour faire... je l'ai cacheté et après j'ai été coupée. Ça m'a donné une petite pochette pour aller utiliser un devant de carte. Tantôt que je vous disais, j'en ai pas deux, hein? Celui-là, j'ai coupé le devant de carte pour aller faire une petite pochette. Et ça, c'est dans le fond une étiquette que j'ai en trop. Et puis ici, petite décoration. Ça, je l'ai fait tout simplement. C'est un extra que j'avais fait, là. J'ai utilisé le jeu inversement... Voyons, joliment inversé là, je le trouve pas juste parce que je veux le trouver là. Pourtant j'ai tous mes jeux devant moi. Alors oui, je l'ai. J'ai été étampée ça en rose et puis j'ai étampé sur du carton blanc ma fleur en gris souris par-dessus. Donc ça me permet d'aller chercher un effet le fun. Mais ça, c'est comme un petit extra, là. OK? Ensuite de ça, j'ai fini presque.
Ah, ça, j'étais très contente. Je suis partie de cette carte-là, la base de cartes. Je veux juste que vous voyez bien, là. Et puis, j'ai été perforer un cercle dans ma base de cartes. Qu'est-ce que ça a fait? Je me suis retrouvée avec un cercle que j'ai été collé. J'ai replié ma base de cartes ici. Et puis, j'ai collé une étiquette et ça ouvre comme ça. Voyez-vous? Ça, c'est un petit bout que j'avais coupé tantôt sur un devant de carte que j'ai été réutilisé ici. Des retailles, mon washi tape. Hey, aimez-vous ça? Moi, j'aime vraiment ça. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'avais ma base de cartes qui avait un trou, bien entendu, parce que je viens de le prendre pour faire ça. Et j'ai collé en arrière carton limonade à la limette que j'ai étampé avec mon jeu d'étampe. Et j'ai mis plein de petits points avec des brillants tout le tour. Alors, c'est vraiment un jeu d'étampe, un kit. Le jeu va me servir beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mots en français qui sont de calligraphie différente et qui sont, dans le fond, la largeur idéale quand on a des poinçons, des perforatrices. Alors, voyez-vous, ça, ce sont mes modèles alternatifs. Il y en a-t-il assez à votre goût? Avec les modèles de base, ça fait énorme. Alors, procurez-vous ce kit-là d'Ousnote. Offrez-le en cadeau à Noël. Commandez-les d'avance. Vous allez voir, les gens vont être tellement contents parce que c'est accessible à tout le monde. Et ça peut vraiment garnir du temps pour les personnes autour de vous qui s'ennuient ou qui cherchent un loisir créatif. Sans avoir à acheter plein de matériel, vous avez tout ce qu'il faut dans une toute petite, ben pas toute petite, mais dans une belle boîte. Il vous reste juste à mettre un ruban autour, accrocher une carte. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, allez sur La Magie des Étampes dans la section boutique. Vous avez un formulaire de commande, c'est hyper facile. Ou bien vous me téléphonez pour commander. Alors, je vous souhaite une très bonne journée.